One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is cool key. But I'm actually weirder than you think, cause I'm friends with the monster, the son of my bed. Get along with the... Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois. C'est une vidéo que j'ai pas faite depuis, je crois, le mois de décembre. Mais à coup pas. Depuis que j'ai lancé ma boutique, je n'ai pas eu le temps de rassembler mes produits alors que j'ai eu des tonnes et des tonnes et des tonnes de découvertes. Je voulais vous faire une vidéo mes produits cultes pour rassembler un peu tout ce que j'avais adoré pendant ces derniers temps, mais je me suis dit que j'allais directement reprendre les bonnes habitudes des favoris, parce que c'est quand même un type de vidéo que j'adore et je voulais pas vous embêter avec des produits que vous avez déjà vus dans plein de vidéos avec mes produits cultes. Donc du coup je préférais recommencer sur de bonnes bases. J'espère que ça vous fait plaisir et que vous aimerez cette vidéo. Dites-moi en tout cas si vous avez quand même envie de voir mes produits cultes de tous les temps. Mais en tout cas là c'est parti pour mes favoris du mois d'avril. Alors je vous propose qu'on commence avec les cheveux, grande préoccupation de Sarah toujours et éternellement. Les cheveux, donc j'avais envie de vous parler d'eux aussi parce que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous allez les retrouver chez Monoprix dans un petit mois. Donc ça c'est plutôt très cool. Donc moi j'ai des chouchous, j'ai les shampoings après shampoings volume qui sont géniaux de chez Génio. Et le conditioner qui est le 3 Minute Miracle Moist, donc l'hydratant. Pour les pointes qui sont divinement bons, qui sort par en bas, en tournant, enfin bref, c'est un gadget le truc, mais il est génial, ça coûte pas cher. Aussi, c'est hyper probant au niveau des résultats, ils sont immédiats. Je vous les recommande vivement, ces deux gammes, donc la Moist hydratant, donc le masque, qui est un soin finalement, tout simplement après shampoing, mais qui a les bénéfices d'un masque, donc ça c'est super cool. Beaucoup plus rapide à poser et le résultat est top. Et donc la gamme volume que je vous recommande, mais à 100%. Ensuite, restons dans les cheveux, j'ai deux produits miraculeux à vous présenter. L'un qu'on trouve difficilement, l'autre qu'on trouve très facilement. Je commence par le plus facile, de L'Oréal Paris. Donc ça c'est un produit que vous pouvez retrouver dans les grandes surfaces. C'est le spray créateur de volume glamour TXT. Donc c'est une des nouvelles gammes, je sais pas si vous connaissez hashtag TXT02. Texture Styling, donc il a un très long nom. Spray créateur de volume glamour, voilà. Tenez-vous bien. Qui texturise instantanément les cheveux, donne du corps et du volume. It's true. Donc je l'aime beaucoup parce que je vais vous montrer, là j'ai les cheveux bien raplapla, donc je pense que ça va être très probant. Donc ce que vous faites, vous secouez, hop, vous passez votre mèche d'un côté comme ça, vous avez l'air super malin, et vous sprayez à 30 cm assez largement, voilà, vous faites comme ça, et quand vous remettez du côté, hop, vous avez vu, il y a un bombé, donc hop. Vous pouvez en mettre aussi pour texturiser sur les longueurs. Et vous pressez les cheveux vers le haut. Voilà, donc là, un côté tout lisse, un côté bombé. J'ai l'air maligne. Donc je refais l'opération. En plus, ça sent méga bon. Moi, ce que je fais, c'est que quand je les boucle, j'aime beaucoup l'utiliser parce qu'il épaissit énormément les cheveux, surtout en plus du volume. Je trouve que c'est surtout le côté épaississant qui est extra. Donc là, comme vous voyez, c'est assez sympatoche comme résultat. Donc après, au cours de la journée, ce qui est bien, c'est que vous pouvez les froisser avec vos doigts. Et hop, ça refait ce côté Ursula que j'aime tant. Et qui est assez sympa pour pas avoir les cheveux collés à la tête. Ça fait vite grassouillet finalement. Et moi j'aime beaucoup. Le résultat est assez mat, donc il n'y a pas d'effet cheveux gras. Et il sent extrêmement bon. À chaque fois que je le mets, mon copain me dit waouh, c'est quoi ce que t'as et tout. En fait c'est les cheveux tout simplement. Donc toute cette gamme elle sent divinement bon. Ça permet, en fait c'est une micro poudre texturisante, donc c'est pas de l'eau ni rien, c'est pas un effet laque cartonné, un fini mat sans alourdir, sans cartonner, donc à utiliser uniquement sur cheveux secs. Et voilà, vous pouvez séparer vos cheveux soit en deux comme j'ai fait, soit en quatre et en mettre aussi sur le devant et sur l'arrière, c'est possible. Voilà, et je serais très malheureuse quand je l'aurais terminé. Faudrait que je cours aller en racheter parce que c'est vraiment sensationnel comme effet. Je vais passer la vidéo à me frotter la tête parce que je trouve que le résultat est vraiment au rendez-vous.
Donc ensuite, un peu même processus, même genre, avec Big Sexy Hair, que je vous ai présenté dans mon haul d'anniversaire, que j'ai eu en cadeau, qui vient tout droit des États-Unis, de ma meilleure copine Justine. C'est une marque qu'on peut retrouver sur certains sites, je crois sur Fil Unique. C'est vachement cool, mais je préfère quand même celui-ci, donc le L'Oréal. Celui-là mouille un petit peu plus les cheveux, et je pense que il les rend un peu plus façon lac, un peu plus carton. Autre produit, cette fois-ci pour la douche, c'est une huile corps nutrition sous la douche, qui s'utilise donc après le gel douche comme une huile hop hop qu'on rince et on est hydraté sans avoir besoin de mettre de crème en sortant, donc ça c'est plutôt cool. En plus je trouve que ça facilite pas mal tout ce qui est rasage des jambes sans se couper et tout. C'est non collant, c'est pour les peaux sèches et sensibles, c'est Mixa qui fait ça et c'est le deuxième pot que j'utilise tellement j'adore ce produit qui laisse un côté satiné, hydraté, sans faire collant et qui est un gros gain de temps pour l'hydratation. Il faut commencer à s'hydrater vu que les beaux jours arrivent, donc je trouve que c'est une bonne option pour les flemmardes de la crème, etc. Côté parfum, j'ai eu un gros coup de cœur pour le Pure Séduction de chez Victoria's Secret, donc c'est le prune rouge et fraise, donc ce sont des brumes parfumées comme ceci qu'on trouve sur eBay, sur V-Inc, sur plusieurs sites qui sentent divinement bon. Il y a aussi des produits, des crèmes, etc. Mais moi c'est plutôt les brumes que j'aime beaucoup pour l'été. Et l'odeur elle est magnifique, elle est très fruitée et en même temps rafraîchissante, super féminine et sucrée. J'aime vraiment beaucoup, c'est super girly et parfois j'en spray dans mes colis. Donc voilà, ouvrez les narines. Je vais en sprayer. Alors pour les lèvres, j'ai eu trois gros coups de cœur. Le premier, ce sont les Revlon Color Bust Matte Balm. Donc ce sont des baumes à lèvres à effet mat. Donc quand les gens vous regardent, on a l'impression que c'est totalement mat. Et quand vous le portez, c'est super confortable et totalement hydratant et crémeux. Donc ce sont des baumes donc, de chez Revlon. Celui-ci que j'aime le plus, c'est un peu un nude foncé qui s'appelle Sulfureuse, le 225. Donc le voici, hop, il est parfait en fait pour les brunes je trouve. Il est très crémeux, vraiment, il tient des heures, vous pouvez manger, boire, il est extra. Et ensuite un peu plus néon, le Spectaculaire, un rouge coquelicot, super beau. Voilà. Et j'ai très envie d'élargir un peu ma collection avec des un peu plus néon pour la saison été et tout. Je les trouve très cool parce que moi je suis très mat, vous allez le voir dans l'autre rouge à lèvres. Mais pourtant j'aime pas qu'on voit les zones de sécheresse et tout, je trouve ça vraiment horrible. Du coup c'est une super option et je vous recommande vivement donc ces petits baumes qui dessèchent pas du tout et qui font des lèvres magnifiques. En plus c'est un petit peu mentholé donc il y a un effet repulpant que j'aime beaucoup. Alors ensuite il y a un rouge à lèvres MAC que j'ai adoré qui est sur mes lèvres. C'est le Relentlessly Red, c'est ça, rétro mat, donc qui est aussi assez confortable, un fini mat mais qui n'assèche pas. Et il ressemble un peu au Party Parrot pour celles qui ont loupé l'édition comme moi. Je l'aime vraiment beaucoup, donc il est comme ça, c'est un rouge rose fluo, aussi un petit peu coquelicot. En ce moment je suis vachement dans ce genre. Bah depuis toujours en fait, pas qu'en ce moment, j'adore ce genre de teinte, un peu comme le Pink Fusion, le Fusion Pink de MAC. Bref, je sais plus dans quel ordre mettre les mots, mais en tout cas voilà, il ressemble un petit peu, mais en beaucoup plus beau je trouve, il est juste magnifique. Donc il est sur mes lèvres, mais je vais vous le swatcher aussi. Le voilà, donc je sais pas si ça rendra justice, il est moins rose, il est plus rouge que ça. Il est juste divin. Donc ça c'est une folie, je veux aussi le All Fired Up qui est aussi magnifique et ils sont tous les deux très ressemblants avec le Party Parrot, donc pour celles qui adorent, c'est top. Ensuite j'ai adoré le Gimme Bro, c'est sincèrement la plus grande découverte sourcils et même de l'année 2014, c'est le produit qui me suit. Là pour le coup c'est carrément un produit culte qui me suit depuis des mois et des mois, pas juste le mois d'avril. C'est en fait à base de fibres qui vont épaissir et donner du volume
a des sourcils un peu clairsemés. Donc c'est une mini brosse comme un mascara mais pour les sourcils, qui fait trois actions, donc volumisante, qui va faire aussi office de gel pour les fixer, et de teinture pour combler un petit peu tout ce qui est trou. Donc ça s'appelle Gimme Brow, donc de Benefit, et c'est fantastique. En 3 secondes, vous avez un sourcil vachement défini. Moi, je peux plus sortir sans les définir. Je trouve ça juste très structurant au niveau du visage et complètement classe, quoi. Et maintenant, je me sens complètement moche quand j'en mets pas, pire que le mascara encore. C'est vous dire. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut carrément repousser son rendez-vous à l'épilation des sourcils parce que ça les rassemble tous ensemble et du coup on voit pas vraiment s'ils sont épilés, pas épilés, enfin bref, c'est tout le temps nickel chrome avec ce truc, c'est une dinguerie. S'il fallait retenir une seule chose, c'est le Gimme Brow. Essayez vraiment, vous allez halluciner en 2 secondes, parce que moi j'aime pas prendre mon pinceau avec un fard à paupières et tout pour combler les trous. Avec ça, franchement, je le mets très souvent dans le métro, et en 3 secondes avec le miroir, vous brossez juste vers le haut et en fait voilà, il fait tout, il les comble, il crée du volume, il les texturise, enfin c'est génial. C'est un gel volumisateur pour sourcils en gros, voilà. Autre gros coup de cœur, c'est le Instant Attitude Brow Lift de Too Faced. C'est un highlight pour l'arcade sourcilière, donc je le mets tout le temps en dessous pour éclairer, agrandir les yeux, donc je trouve ça juste magnifique. Et c'est Too Faced, donc j'ai pas beaucoup de produits de Too Faced, mais en fait ils sont géniaux. Donc je vais vous le mettre ici, voilà. Donc il est crémeux, il est pas pailleté, il a un côté très lumineux mais mat. Ensuite, pour les yeux, il y a 3 produits que j'adore. C'est tout le temps le même style, ce sont des genres de paint pot, enfin de plusieurs marques, de Benefit et de MAC, donc des fards crème pour les yeux, que j'adore puisque en 3 secondes on peut faire un maquillage cool. Donc il y a le Painterly, qui est une base plutôt rosée, que j'ai beaucoup beaucoup creusée, et le Soft Ochre, que je préfère parce qu'il est plus dans les tons neutres jaunes, donc voilà, que j'ai eu récemment, que juste j'adore. Et donc ça, c'est des mattes, pour mettre un eyeliner dessus c'est top. Et dans les irisés, il y a celui-là de Benefit qui est juste magnifique, qui est un champagne comme vous pouvez voir, genre hyper hyper avec plein de reflets métallisés, irisés, roses et tout. Il s'appelle RSVP et c'est un Creaseless Cream Shadow, donc une ombre à paupières crème, et la couleur est complètement dingue. Ça, avec juste du mascara, ça se suffit amplement à soi-même et c'est juste magnifique. Ensuite, j'ai beaucoup aimé un crayon de chez MAC qui s'appelle Teddy, que j'ai découvert donc grâce à une maquilleuse professionnelle, donc Malka Brown, avec qui j'ai fait une vidéo Vichy que vous avez dû voir, elle maquille plein de stars. C'est un marron où il y a déjà des paillettes dessus en fait. Voilà, et quand vous l'estompez, ça donne quelque chose de fumé et en même temps déjà irisé, donc je mets ça sur les yeux et j'estompe avec un coton-tige et c'est juste le top. C'est le Teddy que j'aime énormément, qui est donc de cette couleur là, un marron très très irisé. Voilà les filles, c'est tout pour aujourd'hui, c'était mes petits favoris du mois d'avril, j'espère que ça vous aura plu et je vous fais de gros bisous, ciao.